le Messie ne reviendra pas sous la forme d'une personne. Il ne reviendra pas sur terre sous la forme d'une personne. C'est fini ce temps. Mais il va revenir en esprit et cet esprit va éclairer nos cœurs et il va illuminer la terre entière et chacun verra, se verra à cette lumière, mais il ne va pas revenir en tant que personne. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, « Je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Posez-vous la question, le Consolateur. Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est l'Esprit Saint qui va revenir en esprit. Le Messie, c'est cette lumière, cette présence de lumière, d'amour qui va venir éclairer nos cœurs en, par l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il va se répandre sur la terre entière. Dans l'évangile de Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur ?» que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Arrêtez de faire les enfants. Il n'y a pas un Messie en chair et en os qui va revenir sur terre. Non. Découvrez-le en esprit. Son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Il nous l'a dit, sortez de ce monde. Son royaume est en esprit. Alors découvrez en vous l'esprit. Nous avons l'esprit ordinaire qui pense, qui est envahi d'émotions. Et puis il y a derrière tout cela un grand soleil, l'Esprit Saint. Une fois que nous nous sommes purifiés, nettoyés de toutes nos émotions, on ne peut pas se purifier à jamais de nos émotions, mais on peut découvrir nos blessures et leur mettre un baume, l'amour, les prendre dans nos bras, faire un avec. Nous devons nous faire un avec nous-mêmes et découvrir au fond de nous cet esprit qui éclaire toute chose, qui est un grand espace infini. Et dans le Dzogchen, c'est connaître, se rappeler, reconnaître cet esprit d'unité. C'est l'unité. Adonai Echad, Dieu est un. Il faut vraiment, vraiment que nous nous rappelions. Dieu est un. En esprit. Tout l'évangile nous dit cela, le souffle sacré. C'est par le souffle